Face au présent, ce serait une forme d'impératif moral qu'on entend dans ce face au présent qui est au fond comme une confrontation. Il y a quelques années, j'avais lu un texte d'Edgar Morin qui faisait référence à un philosophe espagnol qui s'appelait José Ortega y Gasset, qui disait « Nous ne savons pas ce qui se passe et c'est ça ». Qui se passe. C'est une phrase qui, y compris dans son étrangeté, dit quelque chose de ce que j'essaye de faire moi dans ma propre vie, essayer de comprendre ce qui se passe. Et au fond, il n'y a rien de plus difficile que d'être présent au monde au moment où on y est. La Nuit des idées sur France Culture, ça va commencer dès le lundi 28 janvier à 22h15 dans notre émission Matière à penser. Et toute la semaine, nous allons offrir à nos auditeurs et à nos internautes 5 réflexions sur ce que c'est que d'essayer de penser le présent. Et puis le jeudi 31, le jour de la Nuit des idées, nous proposerons autour du thème de la Nuit des idées une grande journée à l'antenne qui commencera dès la matinale avec une ou un flamboyant invité, mais un mois et demi avant, on ne sait jamais qui ce sera.